Dans l'actualité également, l'État a signé en justice. Une association des Yvelines va porter plainte pour carence fautive. Elle reproche aux autorités de n'avoir rien fait contre la mer de déchets. La mer de déchets, c'est le surnom donné à l'énorme décharge sauvage de carrière sous Poissy. Reportage Nicole Bappel avec Aude Blacher et Louise Simondet. Elle est la honte des Yvelines. La plus grande décharge sauvage de France, plus de 20 hectares, entassés sur 3 communes. À ce jour, aucun pollueur, pourtant clairement identifié par ces déchets, n'a été inquiété. Quand vous regardez par terre, vous avez un certain nombre de documents, là, vous avez des factures, vous avez des cartes de visite, et vous vous rendez compte que c'est tout le temps la même société qui apparaît, en tout cas ici, et puis c'est comme ça un peu partout, vous avez un certain nombre d'entreprises qui sont identifiées. En 3 ans, environ 7000 tonnes d'immondices se sont amoncelées en toute liberté. L'association Les Rives de Seine Nature Environnement a annoncé qu'elle déposait une nouvelle plainte pour dénoncer l'inaction de l'État. On estime qu'il y a véritablement une carence des services de l'État. On alerte en juin 2017 cette décharge en pleine constitution. Et entre juin 2017 et janvier 2018, il faut savoir que le volume de déchets a plus que doublé. Et pourtant, aucune opération de police n'a été conduite. Malgré la présence de riverains à 300 mètres, aucune étude sanitaire n'a été engagée. Pourtant, selon l'association, de l'amiante, des métaux lourds et autres polluants sont drainés dans la nappe alluviale. L'État se lave les mains en se tournant vers la municipalité en disant c'est du terrain communal, donc en partie communal parce qu'il y a aussi du terrain privé, mais donc nous ne sommes pas responsables. Le département se lave les mains aussi, il a une compétence déchets en matière de déchets industriels, se lave les mains, le procureur se lave les mains. En fait, il y a une sorte de déni, si vous voulez, c'est-à-dire que les pouvoirs publics ne veulent pas s'emparer de ce problème-là. Et dans un communiqué, la préfecture ne fait que confirmer les propos de l'avocat. En premier lieu, c'est au maire de sanctionner les contrevenants. De son côté, la préfecture des Yvelines travaillerait avec les élus locaux pour un déblayage et un aménagement de cette morne plaine. Mais quand ?